à tous. Springsteen, The River, Kadia Grange, morceau très très country, country rock, en sol. Je sais pas, les Ecomastering, ils ont accéléré un peu, parce que sur l'album en vinyle, c'est pareil, le morceau est un petit peu plus haut, donc il faut s'accorder un petit peu plus haut pour être pile sur le ton du disque. Donc l'intro est en sol. On démarre à la case 10 sur la tonique, 5e corde, et on va monter. Et puis petit barré, case 12, 3e et 4e corde, pour retrouver le sol. Et on le retrouve ici à l'octave, hein. 13-14, 5e corde. Je refais. Le Do, on va utiliser cette position, Do. À l'octave, dans cette position, ça fait à partir de la deuxième corde 13, 12 et 14. Et on va faire un. Je refais le Do. Il faut bien garder ici 12 et 13, hein, sur la troisième et deuxième corde. On revient en Sol. On refait comme au début. On revient en Do. Et alors, attention pour le Ré. Alors moi, je le fais avec les doigts 1 et 2. Premier doigt, deuxième corde, case 13. Deuxième doigt, troisième corde, case 14. Donc, ça fait un Ré 7. Et on va monter la case 14 là, sur la troisième corde, on va la monter d'un ton. Mais il faut pas que cette note elle bouge là. Elle doit rester sur le Do. Et on revient sur le Sol. Donc il faut pas monter le premier doigt. Hein. Il faut bien monter d'un ton que la troisième corde de la case 14. Hein. Ça va faire un. Sauf qu'il faut jouer un double stop, un double note. Hein. Avec ses deux doigts, mais moi quand je le fais avec ses deux doigts, je suis là qui a tendance à monter aussi le premier doigt, donc je monte les deux cordes, j'arrive pas, donc je le fais avec ses deux doigts. Je vais la jouer à l'entière lentement. C'est un solo typiquement country rock. Springsteen le joue Mediator. Moi j'accentue le côté country en le jouant en chicken picking, un Mediator pour plus doigt. Mais bon, j'essaie de garder à peu près les mêmes notes que lui. Il est sur la gamme majeure de Sol. Donc très country, la gamme majeure. Hein. Et la tonique. On démarre avec un bend. Je fais un bend country, c'est-à-dire monter la corde directement d'un ton à la case 14, troisième corde, pour jouer la case 15 sur la deuxième corde, ça fait. Je refais le premier plan. Deuxième plan, je bends la deuxième corde à la case 15 et pour monter sur le Mi. Mais je garde sur la première corde la case 12. Ça fait deux fois le Mi en fait. Une fois bendé et une fois fretté. Je refais. Troisième phrase, je refais pareil.
là, il y a une petite montée chromatique, hein, 12, 13, 14, sur la quatrième corde. C'est pour monter sur le Do. Le Mi, c'est la tierce du Do. Bend un ton. Je refais. Troisième corde après. Et on finit sur la tonique. Je vais rejouer le solo lentement du début. Au revoir, à bientôt.